Nous voici presque arrivés au terme de notre programme. Si vous avez pu suivre les textes sur les écrans, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais pour ma part, j'ai été saisi à nouveau par l'amour inlassable, infatigable de Dieu qui nous tend la main à nous, les êtres humains. Un amour qui cherche une relation personnelle avec l'homme et qui ne se lasse pas de nous réinviter pour faire la paix et pour nous bénir. Merci à nos jeunes chanteurs d'avoir posé ces textes sur nos cœurs, un peu comme une invitation. Qui ne veut pas prendre part à ce festin des noces lorsque Jésus-Christ reviendra un jour et être trouvé dans la gloire de Dieu, dans le ciel, à la table du roi des rois. Quelle invitation! Merci à vous les chanteurs de l'avoir posé sur notre cœur. Félicitations à vous les musiciens pour cette belle prestation. Je voudrais remercier encore tous ceux qui ont contribué de différentes manières à l'organisation de ce concert. Aussi la municipalité de Strasbourg qui s'est montrée très généreuse pour la mise à disposition des praticables et d'autres structures. Un grand merci. C'est ainsi que notre tournée d'automne avec Eurocorps a démarré. Et demain, ils repartent vers le sud pour donner mardi soir un concert à la Basilique de Lyon. Mercredi soir à Montélimar. Vendredi soir, nous revenons vers la Suisse, dans la cathédrale de Berne, pour un concert le soir également. Et puis, pour terminer samedi soir, à côté de Zurich, à Pfäffikon. La tournée d'automne fait partie de notre programme annuel. Outre les concerts de Noël, cette année, nous serons en Allemagne et en Suisse. Et pour la seule fois en France, à l'aéroport Charles de Gaulle, dans l'aérogare, le 12 décembre, pour saluer les nombreux voyageurs affairés dans ces temps de l'Avent, Eurocorps sera présent pour rappeler les hymnes de Noël et pour égayer un peu le parcours de ces nombreux voyageurs. Vous pouvez trouver à la fin, si vous avez apprécié les prestations, les enregistrements de records que vous avez aussi sur notre site www.records.com et qui sont que l'on peut acquérir via le site internet, mais qui sont aussi à votre disposition, dont le dernier enregistrement qui s'intitule Tournée d'automne. C'est en effet le programme qui a été enregistré de la Tournée d'automne 2014. Un très beau CD avec ces feuilles d'automne qui nous rappellent la saison. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venus si nombreux, d'avoir répondu à l'invitation. Merci encore une fois aux voyageurs et nous leur souhaitons le meilleur pour la suite. Et nous vous souhaitons également la bénédiction de Dieu et un bon retour. Merci encore.